Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous lire le panda qui avait des poux. Mamie poule, vite! Quoi? C'est Poupoussin, il en a des tas! Mais de quoi? Des poux partout, qui sautent sur tout! Des poux? Comme le panda? Je vous raconte? Un matin, le panda arrive en retard à l'école. Il se tortille devant la maîtresse et il ne dit rien. De plus, il n'a pas de mot d'excuse. « Eh bien ?» demande la maîtresse. « Ben, je... » Et tout le monde reste suspendu à la bouche du panda. « Je... Tu ?» l'aide la maîtresse. « Tu... Je peux pas le dire. » La maîtresse respire longuement en fermant les yeux. Soudain, elle annonce. « Mathématiques, aujourd'hui, on compte !»« Chouette, maîtresse, ça tombe bien, j'ai des poux !» s'exclame le panda d'un seul coup. « Bouh !» pleure l'éléphant. « Moi, j'en ai pas !»« C'est pas joli, la jalousie !» dit la maîtresse. On se met en place pour compter les poux du panda. C'est un exercice qui nécessite de la patience et une bonne vue. Il faut se mettre en ronde et chanter. Savez-vous compter les poux à la mode de chez nous? Évidemment, c'est un peu compliqué de compter parce que les poux sautent. Hop! 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 Le mouton compte les poux du panda. Et les poux du panda sautent sur le mouton. Alors l'éléphant compte les poux du mouton. Et ainsi de suite. Et moi, maîtresse, je compte les poux de qui ? Demande le panda. Minute, papillon, répond la chouette. Ça vient. Aïe, les poux sont partout. Le pampouda compte les poux de l'ipoupou. Qui compte les poux de la gipourafe ? Qui compte les poux de la soupourie ? Qui compte les poux du poulion ? Qui ne compte pas les poux du chapoumeau ? Qui compte les poux du poulou? Qui compte les poux de l'eau-poutruche? Qui compte les poux de l'élépoufant? Qui compte les poux du moupouton? Qui compte les poux du pampouda? Qui compte les poux de... Quoi? Je l'ai déjà dit? Alors ça fait combien en tout? Pas de poux, d'élèves. Vous voulez que je répète? Bon, qui n'a pas compté 10? Personne? Bravo! Je continue. Combien y a-t-il de poux? À la mode de chez nous, on les compte avec les pieds. Et aussi avec la bouche. Miam! Ou encore avec « Maîtresse! Il y en a trop !» s'écrie soudain le mouton. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demande le loup. La maîtresse propose d'aller chez les singes, coiffeurs et pouilleurs. La girafe refuse net. Elle ne veut pas se laver. Le lion dit non, comme d'habitude. Les autres grimacent parce qu'ils n'aiment pas qu'on tripatouille leur tête. Très bien, dit la maîtresse. Alors j'appelle la sauterelle. Chouette, maîtresse! Et hop, fini les poux. Pourquoi la sauterelle, mamie poule? Oui, qui sait? C'est la charmeuse de poux. Ah, personne ne résiste à sa danse et son cri-cri. On l'appelle mamie? Dès demain matin, mes poupoussins, promis. Car maintenant, c'est l'heure d'aller au lit. Et voilà, cette histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt sur Pique-Nique Douille.